c'est des bons pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de La Passion. Vous êtes pas foutu à la porte? Je m'en vais, je vais tout mettre dans le gym. C'était une petite blagounette. Voilà, on s'en va. On va faire un transport différent que vous avez l'habitude de voir d'habitude avec moi. C'est la passion. En parlant de passion, petite outfit comme dirait Adix. Voilà, petite outfit de la passion. Petite Air Max BW vache et tatane. Voilà, pour les souliers. Et pour le tétio. Voilà, petite casquette Nuts Motors. Classique trucker. Voilà, petite filet de pêche noir. Le devant en brune. Voilà, c'est la passion. Bien évidemment, disponible sur le site. Voilà. Et alors moi je suis pas un gars de la casquette comme ça, mais moi je suis un gars de la gapette. Mais là, du coup, ce qu'on va faire, voilà, parce qu'on est des passionnés avant tout, on va se la mettre là, voilà. Oh là là, là c'est la passion, voilà, le petit détail ultime. Bon allez, ça va les conneries, on y va. Ma bonne veine gapette, hein, voilà, peut-être qu'on en fera un jour des comme ça. Je suis en train d'y travailler, je voudrais en faire, mais pas avec un gros logo, juste un petit logo comme là, voilà, un petit peu discret sur le côté. Et voilà, on travaille, j'ai plein de projets en tête et on va faire des trucs cool, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et toi poupette, t'as pas envie de faire du porte-char? Non. T'as pas envie de venir avec papa aujourd'hui? Non. Non. Oui. Allez, bah tu gardes la maison, hein. Voilà. Bon Zézé, j'ai pris mes affaires là, mais je pourrais revenir quand même. Hein? Je suis pas mis à la porte de manière définitive, je pourrais revenir. Hein? Bon, ciao. Bah ton coussin. Ah oui, parce que je suis un fragile. Il est où mon coussin? Ah oui, il y a le cadeau à la barrique. Ça tu le caches de tes pompes. Je veux pas que les gens. Ouais. Bon, il y en a plus. Ça, il y en a plus. C'est la dernière. Mais voilà, c'était la dernière pour ma barrique. Voilà. On l'a oublié. On l'avait oublié, pauvre vieux. Ma pauvre barrique. Oui, Zet. Allez, les couilles, on est sur le départ. J'ai fait comme vous. En fait, moi, des plaques de rasso, des plaques rallye, tout ça, j'en ai plein chez moi sur des événements que j'ai participé. Mais moi, je les accroche chez moi. Et vous, j'ai remarqué, vous êtes plein à les mettre sur les tableaux de bord. Donc en attendant de la rendre à la barrique, ah putain mais j'en ai pas pour moi. Bah ouais, j'en ai une pour mon salon mais j'en ai pas fait faire une pour le camion. Bon les couilles, tout au long de cet épisode on va rencontrer du monde. Voilà, c'est un transport itinérant, voilà, voyage, amis et passion, ça va être ça. Là on va s'arrêter déjà à l'atelier 86 parce que voilà, moi le... pas le porte-char mais plutôt le plateau, enfin, vous savez voilà, si tu suis depuis un petit moment tu sais que j'ai acheté un plateau. Même avant d'acheter le plateau j'avais prévu le coup, j'avais acheté des équerres machin nana et des sangles. Bon les sangles depuis le temps que je les ai, il y en a que maintenant elles sont sur Ashley, enfin j'en ai des pannes à des potes et tu sais c'est le genre de truc que tu prêtes, tu les revois plus, hein voilà. Donc j'avais 10 sangles, il m'en reste plus que 4, donc avant de faire toute chose on va racheter des sangles à l'atelier 86 et je ne les prêterai pas celles-là. Toi qui m'a emprunté mes sangles, sache que tu ne... je t'en prêterai plus, voilà. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème de quand tu prêtes un truc, tu sais plus à qui? Moi j'ai un copain, la couillasse là, Bruno, lui maintenant, il s'est tellement fait niquer dans sa vie à prêter des trucs et à plus jamais les revoir, que maintenant ce qu'il fait quand tu lui empruntes un truc, il te prend en photo. Il te prend en photo, et le jour où il cherche les outils, et ben il regarde, mais il est pas con. Il est pas con, attends, allez, bouge pas, craque, allez, hop. Et non, ouais, c'est malin. Moi, j'en ai un une fois, là, le cinéma. Je prête un compresse-ressort Facom. Tu vois, le truc que tu ne te sers pas tous les jours. Mais voilà, j'avais un pote qu'on avait besoin, c'est de mon cœur, vas-y, sers-toi-en. Je l'ai acheté autant qu'il te serve. C'est pas un outil qui sert tous les jours. Et au bout de peut-être 4-5 mois, j'ai dit, où mon compresse-ressort? Impossible de le trouver. J'appelle tous les potes. Parce qu'en fait, voilà, c'est un pote qu'on avait besoin et qui me dit, Alex, est-ce que tu peux me le prêter? Alors, moi, bien évidemment, je dis, oui, vas-y, machin. Et là, en le cherchant, je dis, putain, je l'ai prêté, mais à qui? Tu passes 2-3 coups de fil, c'est jamais personne. La personne concernée, il a fait partie de ceux que j'ai appelés. Hein. Il y a des bâtards. Et mais vous allez voir la suite, on se parle plus. Du coup, le temps passe. Je rappelle mon pote, je dis, bah écoute, je suis désolé. Je sais pas où j'ai mis. Donc du coup, cette histoire, ça me ronge le sang terrible, tu vois. Et puis un matin, la semaine suivante, je me réveille. Illumination, je me rappelle direct. Donc je l'appelle, j'ai Greg, pour ta petite civique, j'étais sûr que je t'aurais pas prêté mon compresse-ressort il y a à peu près 4-5 mois. Effectivement, faut que j'aille vérifier dans le garage. Bah va vérifier fort, parce que là j'ai un pote qu'on a besoin là, en fait, tu vois, il est à moi le truc, et en fait t'essayes de me l'endormir. Oui, effectivement, je l'ai bien, bon bah tu me le ramènes. Non, viens le chercher, ou sinon dis à ton pote qu'il vienne le chercher, moi j'ai pas le temps. Tu vois, déjà j'aime beaucoup, tu vois, j'aime beaucoup le contexte, tu vois. J'étais sûr que tu veux que j'envoie mon pote.
ouais, moi j'ai pas le temps et tout. Bon, pas de question, c'est un voyageur, quelqu'un de très gentil, hein. Mais toi, ce mec-là, là, tu vois, quelqu'un qui aime pas trop, genre personne, tout ça, tout ça. Bon, bah, j'ai dit, allô, mon Chico, si tu veux, voilà, c'est là-bas. Bon, bah, il a été avec deux de ses frères. L'autre, depuis ce jour-là, il s'est rien passé de méchant, hein. Il est juste venu, salut, j'ai récupéré mon truc et tout, mais depuis ce jour-là, ce mec-là me fait la gueule, voilà. Le mec, il a voulu m'endormir, mon matériel, elle est partie le marché, il me fait la gueule. Elle est pas belle, l'histoire? Bon, bah, verdict, faut pas prêter. Je dis ça à chaque fois, mais je prête tout le temps. Mais bon, après, on parle juste d'histoire de sang. C'est pas la mort. Mais ça fait chier, tu vois, quand t'as des trucs, tu veux faire plaisir en prêtant et qu'on te les ramène pas, ça fait chier, quoi. Mon pote, là, Bruno, il s'est fait lier une chèvre, un support moteur. Après, les outils, je t'en parle pas, mais même des gros trucs. Et les gens, ils arrivent à te les garder, quoi. Tu sais, à un moment donné, t'as une chèvre chez toi dans le garage, tu le sais qu'elle est pas à toi, tu vois. Moi, j'avais eu celle d'un pote, là, je l'ai eu pendant un an et demi chez moi, mais il savait qu'elle était chez moi. Mais c'est. Bah, en fait, c'est pas que je lui en dormais, mais j'en avais plus besoin que lui. Donc, mais bon, le jour où il avait besoin de la récupérer, il est venu la récupérer. Je l'ai ramené même. Mais ouais, c'est ça, quand tu prêtes et qu'on essaye de t'endormir, putain, ça fout la haine, ça. Bon, du coup, petit changement de programme. On est allé récupérer le porte-char, les couilles. Bon, maintenant, on est de retour à l'atelier 86. On récupère les sangles et on y va. Ah, comme c'est mignon. C'est un jour, je pense que je vais en acheter. J'aime beaucoup. Alors déjà, de une, c'est pratique, un jour comme aujourd'hui. Alors, il y en a plein qui ont critiqué, ouais, faut pas acheter ça, faut pas acheter avec trois essieux, naninana. Déjà, c'est bien d'en avoir un. Hein, déjà pour commencer. Et ouais, après les mecs qui font du convoi, tout ça, trois essieux c'est mieux. Mais pour de la dépanne de temps en temps, un double essieu c'est quand même très bien. Et là pour le coup aujourd'hui, c'est le top. Et ça va très bien faire l'affaire. Allez, crack, ciao l'atelier 86. Maintenant, bah on y va. Oh putain, on n'est pas gâté. Hein. Oh, on n'est pas gâté ma couille. Ah, il y a une opportunité là. Là, il y a opportunité. Allez, crack, ça va depuis tout à l'heure. Alors là, ça me fait de la peine à vous dire, mais. Là, on s'apprête à passer devant une entreprise où j'avais mes petites habitudes et qui est sur le point de fermer à cause de moi en plus, voilà. Je vous présente le bricot dépôt de lycée, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas dépensé quelques euros. Autant dire que j'en ai mis de la caillasse là-dedans, là. Autant dire qu'ils auraient pu reprendre la devanture, hein. Ah ouais, les magasins de bricolage, une horreur. Oh les couilles, devant il y a une vieille pétrolette là. On va essayer de la remonter. Ah, me fait penser à un film. Ah, j'ai plus son nom. La vieille indienne là. Burt Monroe, voilà. C'est Burt. Allez Burt, on y va Burt. Burt, il roule plus vite. Si tu connais pas ce film couille et que t'es un passionné de la mécanique, que ce soit auto, moto ou quoi. Enfin là, c'est plus moto. C'est une histoire vraie. J'adore ce film. Ça faisait peut-être 4-5 ans sur les conseils de Vianney que je voulais le voir. J'ai fini par l'acheter. J'ai été le faible qui achète des films sur Amazon Prime, tu vois, à 4,90€. Mais ça valait vraiment le coup. Il est trop bien ce film. Franchement, il est trop bien. C'est une histoire vraie. Je vous en dis pas plus, mais si t'aimes la moto, c'est vraiment un très beau film. Vianney, il devrait être conseiller filmographiste. Je sais pas si ça se dit ça. Un gars qui te conseille quoi regarder. À la télé ou au cinéma. Ah, c'est comme les séries là en ce moment. Ouais, sur les réseaux, souvent vous me demandez, il y en a qui me disent ma couille. Parce qu'on parle de tout. Hein. Alors, j'essaye de vous répondre à tous, mais c'est vraiment pas simple et je suis désolé parce que c'est compliqué de vous répondre à tous. Mais vous avez pas mal qui me disent c'est quoi ton top en ce moment sur Netflix. Parce que vous savez que le soir dans le camion, je regarde Netflix. Moi, c'est très. L'autre jour, là, je regardais, je cherchais une nouvelle série. C'est très orienté quand même autour de la drogue. J'ai remarqué ma sélection Netflix. Alors que c'est pas une passion chez moi, mais je trouve les histoires sont sympas des fois. Tu sais, les scénarios, c'est très marrant des fois. Enfin bref, c'était pas du tout le sujet de la vidéo là. Mais ouais, Burt Monroe, très bon film. Une vraie personne et un très bon film. De toute façon, c'est la vie d'un passionné. Donc moi, quelqu'un qui est la vie d'un passionné, ça me passionne. Voilà, tout simplement. Allez, on arrête de parler de ça. Bon, on est parti. Voilà, on est parti, tout simplement. Voilà, tranquille ou biou. Hein, voilà, à vide. Ah ouais, parce que là, au vu de la vignette, à mon avis, vous avez cliqué. Et vous savez pas ce qu'on ramène. Et là, à mon avis, il doit y avoir la théorie de. Oh, il nous le dit pas, mais il est parti chercher un autre camion, la couille. Pourquoi il aurait pris un porte-char sinon? Eh ben, je vais pas vous le dire tout de suite alors. Ça, vous allez rester jusqu'à la fin. Ça s'appelle. Il y a un truc sur YouTube, ils appellent ça. On est noté sur ça quand tu fais des vidéos. La time, je sais plus trop quoi. T'es noté sur le. Enfin bref, voilà. Donc on va chercher quelque chose. Voilà, on y va tranquillement. Et du coup, je disais la dernière fois que je l'ai attelé, c'était pour aller. C'était avec Bobby et j'allais récupérer Pierre. Et du coup, là, j'ai fait une story où j'ai le porte-char. Vous êtes déjà plein à me dire ah, il est parti chercher un 143 la couille. La couille, il est parti chercher un 143. Et vous commencez à me connaître. Les 143, c'est vraiment la passion. T'imagines, on va chercher un 143 là?
bah, j'aurai toute la panoplie complète des camions que je veux. Un 143 Streamline, le Brandon, le Barney, le Bobby, le Jim, voilà, là, toute la petite famille réunie. Voilà. C'est vraiment... Après, ce qui me plairait, c'est d'avoir un cousin de Bobby en top line, mais en 6-2. Voilà. Et ce que j'aimerais aussi beaucoup, c'est un frère pour Jim, mais en petite cabine essieu-releveur, mais essieu-releveur avant, comme les Pétignos. Le jour où on a tout ça, on est au top les couilles. Oh la maison mère! Il y avait un truc chelou là. Il était vraiment tout petit le petit Kaya là. C'est pas un Scania, c'est un Kaya. C'est un Kaya. Bon les couilles! Il est 16h16, hein? C'est bientôt l'heure du goûter. Du coup, là, ça tombe très bien. J'ai une trente à faire. Voilà. Donc, j'ai choisi où c'est que j'allais m'arrêter, prendre ma petite collation. Hein, chez notre ami Pierrot. Voilà. On est rendu chez Politra avec les couilles. Allez, un petit café et ça repart. Oh, que c'est beau. Ah, ils s'emmerdent pas, les agris. Hein, quand je te dis qu'ils s'emmerdent pas. Hein, voilà. Ils prennent du matériel à nous, hein, pour faire du transport. Bon, allez. Moi, je vais récupérer le petit porte-char, le petit Jim. Et direction Paris. On arrive sur de la terre betteravière, là. Ah, il y a déjà du monde au resto ce soir. Oh là, il y en a un qui a faim dedans. Oh là, il y en a un qui a les crocs. Moi, c'est pas là que je m'arrête, ma couille. Un petit peu plus loin. Juste un petit peu plus loin. Alors, il y a ceux qui s'arrêtent au relais 20, hein. Et il y a ceux qui s'arrêtent chez les filles. Voilà. Moi, je m'arrête là. Putain, mais ils ont refait l'enrobé ici, c'est propre. Moi, je m'arrête chez Véro et Gaël. Voilà. Ah, il y a déjà du monde sur le parking. Oui, bon, bah, il est 19h. C'est normal aussi. Allez, nous, on continue. On a encore un peu de route à faire. On va rejoindre les copains. Incroyable. Depuis Artenay, c'est comme ça. C'est Godasso del Plombo. C'est fluide à mort. Je crois que c'est la première fois, sauf la nuit, que ça se passe aussi bien. Incroyable. Incroyable. C'est ça le Paris qu'on aime, ma couille. Oh, voilà. Le Paris fluide. Bon là on n'est pas encore tout à fait dans Paris, on est vraiment aux portes de Paris. On est dans le 9-1 frérot, hein, voilà. Et là on va rejoindre des copains, on va aller au resto. Parce que c'est avant tout ça le métier de transporteur, tu vois. La résidence secondaire, les couilles. Ah, il y a le chef Papou qui m'attend avec le 4x4. Allez, on va se garer. Est-ce que j'ai ma place attitrée à côté du... Ah, j'ai ma place à côté du Brandon, le cousin. Hein? Allez, super, on se gare, ça va bien se passer. Ah, c'est le Brandon, c'est le cousin. Allez, craque les couilles. Petite sortie de douche qui fait plaisir. Encore une bonne soirée de passé. Regarde le gym là, après on découte dès demain matin. Et la station, tu te rappelles quand je suis allé à Ciné l'autre fois là? Ouais. Tu m'avais laissé un petit cadeau? Ouais. Si t'avais. Je m'en suis rendu compte, arrivé là-bas en train de laver le camion. Tu m'avais accroché un petit pendentif. Oui, je t'avais accroché un. Bah, je t'ai noté, moi. Ah bon? Dans la nuit, je t'ai noté. Bon, maintenant qu'ils sont tous allés se coucher, j'ai un truc important à faire. Le petit 730 là, on va le noter. Mais du genre, toi, on va le noter, mais copieux. Tiens. Voilà. Là, comme ça. Crac. Là, c'est la passion, là. Crac. Oh, le 730 de la passion, là. Le petit BRM de passionné. Et noté. Allez, c'est parti! Direction le chargement. Les couilles, on est rendu à l'endroit de ma livraison. Je viens de voir un truc. Je vais vous les emmener voir. Ça fait partie de des choses dont je rêve dans la vie. Oh putain, elle est trop belle. Je vais vous la montrer. Si on m'aurait dit que j'aurais vu ça ce matin et que j'allais pouvoir vous montrer ça, très clairement c'est surcoté pour moi, mais c'est la grosse passion. Bon, j'ai rendez-vous devant la concession Honda de Linas Moneri. Et en passant, je la reconnais direct, le bijou. Qu'est-ce qui se fait de mieux chez Honda? Le véhicule, qu'est-ce qui se fait de mieux chez Honda? Bah, je vais vous le montrer, je vais vous la montrer. Une Honda NSX, ma couille. Oh le bijou. Bon, le gros problème, c'est que ça fait partie des GT comme ma 300 ZX des années 90. Sauf que bah ça vaut 100 000 balles. Voilà. Il y a une petite affiche à côté, je pense pas que ça va vendre, c'est juste un modèle d'expo. Non, il n'y a pas le prix. Bon, les couilles, sur ce, nous, on n'est pas là pour acheter une NSX. Quoi que ça aurait été cool. Bah, on va ouvrir les rampes. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Le client vient de m'appeler, il m'a dit qu'il aurait du retard. Alors qu'il avait bien insisté pour que je sois bien à l'heure, parce que lui il serait bien à l'heure, parce que lui il était pressé. Je suis 10 minutes en avance, je suis prêt. Un vrai professionnel, ma couille, voilà. Sauf que bah lui, il merde, voilà, il patine dans le terreau, casse les couilles. Bon, et bah tant pis, on va attendre maintenant. J'attends qu'Honda ouvre et puis on...
On va aller se baiser un café dans le cuir d'une NSX. Bon, si tu me suis sur les réseaux, j'ai le temps de faire une story un peu douteuse. Tout le monde va croire que je suis venu acheter une NSX aujourd'hui. Alors ça aurait pu être tout à fait ma cam, d'acheter une NSX hein, carrément. Mais je l'aurais pas annoncé comme ça. On y aurait mis les formes quand même. Parce qu'une NSX c'est pas rien. Mais non, c'est un bijou. Hein. Putain, c'est un bijou. C'est vraiment. Bah, c'est la Ferrari japonaise. Voilà, la NSX, voilà, en un mot, c'est la Ferrari japonaise. Alors elle a subi une envolée des côtes, mais c'est pas dû à Fast and Furious. Il y en a une qui fait une apparition vite fait. Je crois que c'est dans le Fast and Furious 1 ou 2. Mais elle, sa côte, elle se l'est faite toute seule comme une grande. Elle a pas eu besoin d'un film, quoi. Ça s'est vraiment envolé. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Très franchement, je pense que je n'aurais jamais. Parce que ça fait très cher, la petite Nippon, quand même. Mais ouais, c'est une part d'histoire du Japon là, que t'achètes quand t'achètes ça, quoi. Mais bon, nous, c'est pas du tout ce qu'on est venu chercher aujourd'hui. Hein. Ah ouais, je vous ai pas dit. En fait, on cherche pas un camion, on cherche pas une voiture, on cherche pas tout ça. On cherche une cellule de vie camping-car. Voilà. Donc je sais pas à quoi ça ressemble. On m'a juste donné les dimensions. Ça fait 2m45 de large, 2m15 de haut, 5m20 de long. Je crois que c'était ça. Et ça fait 1,5 tonne. Voilà. Ça va être un gros bloc rectangle. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a dedans. On verra bien. Ça va ressembler, je pense, à un petit LGCO, un truc comme ça. Mais là, j'attends un camion en pyrole. C'est un camion en pyrole qui va me charger. Donc c'est pour ça, là, j'ai déplié les rangs. Et puis on n'a plus qu'à attendre sagement. Bon, après une heure de retard, le voilà, enfin, il vient de m'appeler, il devrait plus être long, le voilà. Ah bah c'est ça que je charge, ok. Bon les couilles, je vous pose là, et c'est parti. Allez, c'est parti pour le sanglage, les couilles. Chier. Ah non, pas oui. Merde, j'avais pas vu, je pensais que c'était elle. Ah merde. Oh non. Ça casse les couilles, bordel. Le monde est vraiment qui les couilles. Je suis sur le porte-char, en train de passer la sangle de l'autre côté. Il y a une voiture qui passe. Je me sers sur le côté, j'ouvre la porte, j'entends. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mon bon Vianney qui passe dans une petite rue comme ça, dans le 91. Au même moment où j'y suis. Vraiment, le monde est vraiment petit. Petit, vraiment le gros hasard. Bon, je vous dis, on est comme la misère, on est partout les couilles. C'est pas des conneries. Bon, allez, on finit de sangler ça. Ça vient se penser. Bon, on va quand même regarder ce qu'il y a dedans. Voir comment que c'est gaulé, parce que s'il y a des trucs en vrac, je voudrais pas que ça se balade pendant le gros, les couilles se cassent la gueule. Hop. Ah oui, mais c'est un camping-car. J'ai un motorhome maintenant, vu que j'ai installé ça. Bon, bah, ça a l'air d'aller. Ça craint rien. Et plus d'eau, on serait bien lavé les mains. D'accord, ok. Bon, et ben impeccable. Y'a plus qu'à y aller. C'est bon, je le retiens par le cul. Deux sangles sur le côté et une sur le devant qu'il prend pour faire le retour pour le tenir. Normalement, on devrait être pas mal. Moi, je pense que je viens de croiser Vianney ici, quoi. Vraiment, la coïncidence, quoi. Tu te rends compte? Il y a tellement de routes et de villes en France. Non, faut qu'on se croise ici à cet endroit précis. À 400 bornes de chez nous, quoi. On était fait pour se rencontrer avec Vianney. Bon, on est prêt à décoller? Bon, je suis pas plus haut que de toute façon que le camion et les rampes. Donc, j'ai pas besoin d'aller piger. Je sais la hauteur que je fais pour le coup. Et bon, voilà. Allez, les couilles. On rentre à la maison. Allez, c'est parti. Bon, on va bien surveiller le chargement. Je vais m'arrêter dans quelques kilomètres pour regarder le sanglage. Et puis, le temps que ça se mette un peu en place. Et après, ça va bien se passer. Bon les couilles, on est à Sainte-Marthe-Touraine, il est midi, voilà, Pierrot se situe sur l'axe des heures intelligentes, voilà, donc hier on a fait le goûter chez Polytruck, aujourd'hui on va manger, voilà, tout simplement. Allez, c'est la papa, c'est la passion de la palette recyclée. Bon, du coup les couilles, ça filmait mon avance rapide, c'était nul. Je demandais ce qu'on mangeait chez Pierrot ce midi, il m'a dit qu'il n'avait pas prévu de faire à manger, voilà. Donc on va aller au McDo. On va se faire un truc comme ça. On va faire un petit tour de Volvo alors. On va faire un petit tour de Volvo, ouais. On va changer un peu. C'est un gars qui est dans l'hybride, Pierrot. Ouais. Fais attention à la planète. On n'aime pas trop ça, mais bon. Petite lunette Polytruck, c'est la passion là. Disponible sur le site, Pierrot? Pas encore, disponible que pour le Mans. Ah, petit exclueur. Voilà. À toi, si tu fais ça, tu fais des trucs juste pour les événements. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on faut bien qu'on garde un peu les surprises pour ceux qui viennent au salon. Bon, de toute façon, la vidéo sortira après. Donc bon. Ah, c'est... Normalement. Voilà, normal. Je sais pas trop, tu sais, il n'y a pas trop d'organisation sur ce timing-là. Bon, les couilles, on reprend notre trajet après.
Là, on va se mettre plein la paillasse avec mon bon Pierrot. On va manger. Ça va bien se passer. Le mec a faim. Le mec, il tape du poing là. Il a faim, Pierrot, il a faim. Allez les couilles, maintenant, petit tour obligatoire à la maison mère. Voilà, chez Chacagna. Voilà, on est rendu, petite visite de courtoisie. Hein. Je vois que le Totor est là. On n'est pas à l'abri de boire un café. Voilà. Non, et puis il faut que je remette du liquide lave-glace dans le gym. Parce qu'elle aime bien le lave-glace gym. Ah, on dirait bien que Maxence est là aussi pour boire le café. Est-ce qu'on se serait donné rendez-vous? Hein, on pourrait croire, on pourrait croire. Oh, qu'il est beau le chariot là. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Allez, c'est parti. Ah putain, ça y est, voilà la compagnie créole là. Oh, bal masqué, oh ouais, oh ouais. C'est d'un pas vif et aguerri que je te présente Totor. Totor qui marche en direction de sa proie. Il a un objectif, lui vendre un camion. Sacré Totor. Ah, je vous avais pas dit. Du coup, je me suis arrangé avec Totor, on va faire du camion de course. Voilà, il est rendu, mon camion de course est rendu. Ah ouais. Ah, je vais être bien au moment là-dedans, là. Posé par terre, le truc. Mais c'est marrant, vraiment, c'est marrant. C'est celui qu'on avait vu en montant. Bon, ça y est, la boucle est bouclée. Je vais pas souvent à Paris ou dans le Nord parce que c'est un piège. Ah ouais, non, c'est vraiment la baisse, cet axe. Au port de Paris, voilà, j'ai la famille adoptive. J'ai la famille Buisson. Voilà, à chaque fois, c'est les copains des betteraves. Voilà, les betteravios de père en fils. Un peu plus au-dessous, il y a le stand de la passion, arrêt obligatoire chez Polytruck. Et un peu plus bas, voilà, j'ai mon Totor, la maison mère chez Scania. Voilà, donc c'est tout le temps un axe compliqué. C'est un axe que j'évite de prendre. Quand je le prends, c'est fin de semaine. Quand c'est un peu plus calme. Mais ouais, là, voilà, maintenant c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller livrer. Bon, sur ce, maintenant les couilles, on est rendu. Voilà, petit arrêt bord de route. Livraison ici. Allez, c'est parti, on va se défaire les sangles. Bon, on arrive au moment de quitter ma petite caisse orange. En fait, tout le long de la route, quand je regardais, ça me donnait l'impression comme si j'emmenais un truc pour une mission en Antarctique, tu vois. Genre, mais en fait, c'est ça, c'est une cellule de vie. Donc, bon, alors elle n'est pas faite pour le grand froid, je pense, celle-là. Mais ça me faisait penser à ça tout le long, en fait. Comme si j'emmenais un truc pour une mission sur un iceberg. Allez, c'est parti, c'est la grande levée. Vas-y, avance encore un petit peu. Avance un peu. Encore un peu. Vas-y, avance. Voilà. Impeccable. Hop, bah, ça y est, il est sorti. Alors ça va être derrière un camion porteur pour faire un aménagement camping-car. C'est pas con comme idée. Et tous ceux qui font les tiny house, tout ça là. Ça, il l'a acheté 2500 euros d'occasion. Tu t'achètes une remorque plateau, tu le mets dessous, tu aménages tout l'intérieur. Une caravane. Et tu sais les mecs qui font les tiny house là? Ouais. T'achètes un plateau, un plateau, tu mets ça dessus. Bah les bases-vie sur remorque, ça bah serait déjà. Ah, c'est pas mal. On a rendu le porte-char à son propriétaire. Bon, le gym est tout sale. Le gym va avoir le droit à son petit nettoyage du week-end. Voilà, pour lui effacer les petites salissures de la semaine. Bon, il a bossé, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est cool. Et on va passer après dans un... Pas dans un tuning, mais dans un déséquipement. Voilà. La semaine prochaine, je pars au betterave. Donc... Il y a des petites modifications à faire pour qu'il soit fin prêt. Bon les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu. On arrive à la fin, voilà. Une belle petite journée hier, voilà, c'est cool. Voilà, alors, ça va que c'était le vendredi et qu'on n'était pas pressé. Hein, parce que je te garantis que sinon le reste de l'année, t'as pas le temps, t'as arrêté voir Pierre, Paul, Jacques. Mais là voilà, c'était mon dernier tour de la semaine. Il y avait juste à charger et à redescendre. Donc on s'est permis de rendre visite à tout le monde. Et ça fait plaisir. Et là ouais, maintenant, nettoyage, déséquipement. Et on s'en va à la guerre. Hein. Ah, il connaît pas lui le gym. La betterave, il connaît pas lui. Ah oh ouais, non, ça me fait chier, il va être dégueulasse 3 mois. Mais bon, bah, c'est le métier qui veut ça. Mais ouais, voilà, ça va être. Bientôt, il aura son petit autocollant de la betterave avec la première barre pour la première année. Et voilà, on va mettre Bobby à la retraite. Voilà, Bobby. C'est fini pour lui, c'est fini pour lui, les betteraves, maintenant c'est son jeune frère qui va le remplacer. Voilà, donc il y aura des épisodes à venir, ça va être la passion. Bon, sur ce les couilles, moi je vous dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant, YouTube tu mets la clochette,
Et puis tu peux aussi me rejoindre au quotidien sur les réseaux Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Voilà. Aussi un grand merci à Pierrot, ce prince du tuning, où t'as toujours moins 10% avec le code promo NutsMotors. Et puis les couilles, c'est pareil, on se voit bientôt au Mans. Voilà, ça va être la passion. J'expose pas les camions, je passerai juste en visiteur, voilà. Un patron incognito, voilà. Je passerai juste un visiteur pour le kiff. Bon, pour la petite histoire, les couilles, vous êtes beaucoup à me demander tous les ans, c'est pareil, est-ce que tu vas au Mans avec tes camions? Et tous les ans, en fait, je viens en visiteur parce que le problème que j'ai pour l'instant, c'est que les betteraves, ça commence en même temps que le Mans, en principe. L'année dernière, on a commencé la semaine qui a suivi le Mans, mais là, cette année, on commence la semaine qui commence avant le Mans. Moi, en plus, cette année, j'étais fier parce que j'ai été contacté par Scania, m'a proposé de prendre Jim pour exposer sur leur stand, alors ça m'avait fait grave plaisir. Mais du coup, je leur ai dit, je peux pas vous dire oui parce que je sais pas quand c'est que ça va commencer. Et en soi, j'ai bien fait parce que moi j'attaque cette semaine et le Mans c'est la semaine prochaine. Donc voilà. Peut-être qu'un jour, quand Barnet sera terminé, je pourrais dire à un de mes chauffeurs, tu le poses au Mans, moi je vais bosser aux betteraves, je reviens le week-end et je fais le défilé. Là, ça serait la méga grosse passion. Mais bon, on va d'abord terminer les camions, hein, avant de prétendre à vouloir les exposer. Mais ouais, peut-être qu'un jour, ça, on va arriver à faire ça. Mais ça sera pas cette année, les couilles. Voilà. Bon, sur ce, moi, je te dis à lundi prochain pour nouvelles aventures de la passion. Hein. Passez une bonne semaine. Ciao !